Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps de répondre à quelques-unes des questions qui ont été postées en commentaire. Voilà, je pense que c'est important quand même d'avoir une certaine interaction avec vous. On lit la plupart des commentaires et aussi, sachez-le, ça nous donne des idées pour la suite. Avant de démarrer cette vidéo, j'ai une information importante à vous donner. Je viens de sortir mon guide sur l'expatriation en Thaïlande 2024, le guide ultime de l'expatriation. Il est offert, vous pouvez l'avoir gratuitement. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, vous pouvez le télécharger. Si vous comptez vous installer en Thaïlande, ce guide est fait pour vous. Alors, je suis pas tout seul, je suis avec Fabrice aujourd'hui. Fabrice, comment vas-tu? Il est là, il arrive. Ça va Fabrice? Très bien, à Koh Samui, ça va toujours. Ouais. Fabrice, j'ai pris quelques questions. Oui. Okay, et j'aimerais bien que tu m'aides à répondre à ça. Allez, on va répondre à tout le monde. Ouais, super. On leur avait promis, on va le faire. Alors la première question de Millecott qui pose une question sur les SCI en France. Bonjour, je possède une SCI en France et je souhaite acheter un condominium avec cette même SCI en Thaïlande. Est-ce possible, Fabrice? Est-ce que c'est possible ou pas? Eh ben Millecott, c'est ça. Millecott, merci pour ta question. Écoute, oui, en effet, il est tout à fait possible de détenir un condominium. Donc tu as deux possibilités: ou tu le détiens en nom propre, tu le mets à ton nom. Si maintenant tu veux le détenir à travers une société, cette société, c'est une SCI, à ce que je comprends, française, donc elle est étrangère, donc ça sera un quota étranger que tu auras dans ton condo et tu détiendras le condo au nom de ta société. Le jour où tu revendras, et ben ça sera ta société qui revendra et tu pourras donc acheter, revendre, louer, aucun problème, tu donc, peux le faire. Une société étrangère donc peut procéder sur le quota donc, étranger. Donc on pourrait résumer à dire une société étrangère ou un étranger ont les mêmes droits, c'est-à-dire détenir une part de quota étrangère d'un appartement dans un immeuble en Thaïlande, voilà. Bangkok. Et là, moi, je cherche un peu les complications, vous le savez. Il y a certaines personnes, quand même, dont un ami à moi qui m'a contacté dernièrement, qui voulait acheter un condominium, oui. Ici d'ailleurs à Koh Samui, oui. Mais le quota étranger était full, oui. C'est-à-dire les 49% étaient full, il restait que des condominiums sur les 51%, oui. Et là, en fait, la seule solution pour lui, c'était d'acheter avec une société thaïlandaise. Oui. Voilà. Oui, oui. Alors, Fabrice, là, je te pose une question. Moi. Dis-moi. C'est mieux d'acheter en nom propre ou avec une société thaï? Est-ce que tu conseilles d'acheter avec une société thaï? Alors, un condominium. Moi, mon conseil, et ça a été une preuve, c'est-à-dire que ton copain, il s'est mis sur un projet où, tu vois, les 49% de quotas étrangers sont partis. C'est souvent ce qui se passe. Ouais. Il faut comprendre que pour avoir cette licence condo, il faut splitter, séparer entre 49 étrangers, 51 thaï. Et souvent, les quotas étrangers partent en premier, ouais, le plus vite. Ça. Et les quotas thaï, ben, c'est réservé aux thaï, aux couples franco-thaï. Donc, ouais, c'est un peu plus long à vendre. Donc, moi, je me dis, si on doit donner un conseil, acheter du quota étranger. D'accord. Parce que ça veut dire que si jamais ton copain, il avait deux options. La première, si le quota étranger est complet, il se rabat sur du quota thaïlandais. Ouais. Dans ce cas-là, il doit monter une société thaï. Ou alors, l'autre option qu'il avait, c'est de racheter le quota d'un étranger. Tu comprends? Il oui, pouvait racheter plus cher. Tu comprends? Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premiers acheteurs d'un compte, les premiers acheteurs qui achètent vite les parts de quota étrangères, ça peut être un bon investissement. Okay. Parce que sur des projets, moi je l'ai souvent vu à Bangkok, tu vois, sur des projets à Bangkok, des gros projets avec des promoteurs, avec des emplacements, ce qu'ils appellent prime location. Proche métro, accès dans le centre, dans les malls et tout. Tout le monde se bat pour avoir l'unité. Et tu as des gens, des investisseurs qui achètent 20 appartements dans le quota étranger. Ils les gardent. Et le jour où tu as les gars qui se réveillent un peu en dernier, qui disent « Ah ben moi je vais acheter un. » Désolé monsieur, il n'y en a pas. Par contre, il y a ce monsieur, il en a à revendre. Et il va mettre une marge. Donc ça veut dire que ça peut être un bon investissement d'acheter des parts de quota étranger. Les Thaïs peuvent acheter dans le quota étranger? Ah non. Ils ne peuvent pas. Hein. Le Thaï dans le Thaï, l'étranger dans l'étranger. Ça, c'est... Mais une part, tout ça pour dire, moi si j'étais ton copain, je continuerais à regarder pour acheter du quota étranger, parce que le jour où il voudra revendre, ouais, il pourra vendre et à un étranger et à un thaï. Tandis que s'il achète du quota thaï, il pourra revendre qu'à des thaïs. Il peut il peut vendre la société. Oui, mais la plupart des étrangers qui vont sur du condo, c'est justement pour pas aller dans ce montage de d'accord, société. Okay. Tu voilà, comprends? Merci beaucoup Fabrice, ça c'est vraiment important. Mon ami qui me posait cette question, il et était ben, vraiment réponse. Prêt. D'ailleurs, je vais lui envoyer cette vidéo, hein, comme ça il saura. Voilà, mais c'est ce qu'il te reste à faire. Voilà. Achète du condo en quota étranger. Si en tu nom le propre. Veux. En nom propre. En nom propre. Donc pourtant, en fait, ça ne fait absolument pas sens d'acheter un condo avec une société. Pas dans le but de le revendre, mais dans le but de l'avoir, tu vois. De, alors, de bah, dire, mais voilà, tu c'est ce que j'allais te dire. Ça n'a pas de sens. Si ça a du sens, si c'est l'immeuble que tu recherchais, l'appartement, l'unité, elle est en angle, tu kiffes l'appart, tu kiffes l'immeuble, okay, tu dis je veux vraiment être là, eh bien prends-le en société thaï. Par contre, prends en compte que peut-être le jour où tu voudras le revendre, tu ne pourras pas le revendre à des étrangers. Donc ouais, tu t'enlèves un gros potentiel de revente. D'accord. Mais si tu es dans un esprit de le garder
et de le louer, tu as le droit de le louer. Hein. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. Merci pour cette réponse. Alors, nouvelle question de Cédric. C'est quoi les taxes quand on sort l'argent du pays? Alors, beaucoup, nombre de personnes font beaucoup d'argent à l'étranger, puis qu'ils en vont en Thaïlande, mais d'autres personnes font pas mal d'argent ici en Thaïlande, qu'ils veulent sortir du pays de la Thaïlande. Et alors là, la question à se poser, c'est lorsque je sors l'argent de Thaïlande, en Thaï Baht, et puis l'envoyer, je sais pas, en euros sur un compte européen aux États-Unis ou ailleurs, quelles sont les taxes à ce niveau-là? Alors, quelles sont les taxes? Ça va dépendre de comment ont été créés ces revenus. Donc, bon, moi, je te parle d'immobilier, parce que c'est ma spécialité. Donc, si tu as vendu un appartement, disons que tu as acheté un appartement 10 millions de bahts, et que 10 ans après, tu l'as revendu 15 millions de bahts, tu as gagné 5 millions de bahts. D'accord. D'accord. Tu as tout à fait le droit de les renvoyer où tu veux, hors de Thaïlande. D'accord, ok. Et là, donc, pour répondre à la question de Cédric, lors de ton transfert au cadastre, tu vas payer des taxes. Lors du transfert au cadastre, tu payes. C'est quand tu vends ton appartement. Ouais. Donc, il y a un transfert avec le nouvel acheteur. Donc, tu vas payer tes taxes sur le revenu, tes taxes sur le profit, tes taxes, toutes tes taxes. C'est ça. Donc, quand tu auras payé toutes tes taxes, tu es à jour. Donc, tu gardes toutes ces factures. Tu vas aller à ta banque thaïlandaise et quand tu fais un transfert de ta banque thaïlandaise sur n'importe quelle autre banque hors du pays, la banque thaïlandaise, première question, Cédric, bonjour, tu veux sortir 5 millions de bahts, comment tu les as gagnés? Et toi, tu vas dire, voilà, il y a 10 ans, j'ai acheté un appartement, j'ai la trace des fonds que j'ai rentré 10 millions de bahts, j'ai gagné 5 millions de bahts, je suis allé au transfert, regardez, j'ai payé mes property tax, j'ai tout payé mes impôts thaïlandais, je dois rien au fisc thaï. De là, je transfère ce qui me reste et la banque fera le transfert parce que tu as prouvé que tu as pété. Ok, il y a une plus-value sur... Enfin, il y a une taxe sur la plus-value? Il peut y avoir une taxe sur la plus-value. À quel niveau? Tu la payes à qui la taxe? Au cadastre. Ça, c'est le cadastre qui te fait le calcul. C'est-à-dire qu'un vendeur peut très bien aller au cadastre avant de le mettre à vente et de prendre son chanot, d'aller au cadastre et dire voilà, je veux vendre mon appartement. Si je vends cet appartement, quelles seront mes taxes? Okay. Le cadastre peut te le dire. Autre chose, vous pouvez nous le demander. Okay. Moi, si Cédric me dit, Fabrice, voilà, je veux vendre mon condo, je lui dis donne-moi une copie de ton chanot, recto verso, envoie-moi tout, je te fais le calcul et je vais te dire combien de taxes tu vas payer. C'est beaucoup de taxes en général ou pas? Non, c'est pas énorme les taxes. Tu as 2% de transfert fee que tu partages normalement, 50-50. Et après, tu as une taxe. Alors, c'est un peu complexe le calcul. Là, je ne pourrais pas l'expliquer en détail parce que c'est calculé sur le nombre d'années que tu détiens le bien. D'accord, ok. Et voilà, et la valuation du cadastre. Et tu as des taxes sur le profit. D'accord. Donc, quand on sort de l'argent, en fait, on peut le faire. Et, voilà. Alors, peut-être qu'on pourrait répondre, on pourrait anticiper, Sabri, et dire, parce que je l'ai entendu, attention en Thaïlande, très facile de rentrer l'argent et tu ne peux plus le ressortir. C'est ce que j'entends, en fait. C'est faux. C'est quoi? C'est un préjugé, ça aussi. Oui, non, mais c'est des mauvaises idées. Voilà, il y a des gens qui te balancent des trucs. Je ne sais pas où ils les sortent, mais bon, ils la Thaïlande, c'est le nombre de préjugés qu'il y a sur la Thaïlande, les clichés, les préjugés. Je pense qu'il y a un travail d'information énorme à faire. Oui, bon, après, il y a souvent le problème, c'est qu'il y a des gens, on dirait qu'ils sont contents de dire des choses négatives, tu vois, toujours d'aller dire oui, tu peux pas. Moi, j'ai jamais eu, voilà. Alors, attention, on va quand même au bout de l'explication. Après, s'il y en a qui font du trafic et qu'ils ont de l'argent, je sais pas comment ils l'ont gagné, qu'ils peuvent pas le justifier, bon, ben ça, ils se débrouillent, c'est leur problème. Mais que ce soit des revenus lors de la vente d'une société, que ce soit des revenus lors de la vente d'un appartement, tu payes des taxes. On est ici. Alors là tu as parlé des taxes, Fabrice, vis-à-vis du cadastre, mais tu n'as pas parlé des taxes de transfert. Est-ce que... Si, des transferts fees, 2% de frais de transfert de la propriété. À l'étranger. Ah, des frais de transfert. Ah ouais, mais ça, c'est des frais bancaires que tu me demandes. Voilà, moi, je te parle de ça. Je ne les connais pas. Ça, c'est fort avec la banque. Il n'y a pas une taxe, je ne sais pas moi, de sortie d'argent. Non. Autre. Ah, ok, je comprends ça. Que je voulais savoir. Non, ils ne taxent pas parce que tu sors de l'argent. D'ailleurs, je crois que c'est la même question de l'autre côté. Moi, j'ai des clients avec qui on fait une transaction. Ils achètent un bien avec nous à 500 000 euros. Le client m'appelle, il me dit, Fabrice, j'ai un problème. Oui, qu'est-ce qui t'arrive? La banque, elle veut savoir. Qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce qui se passe? Pas de problème. Compromis de vente. On montre le compromis de vente. On envoie à la banque, Crédit Agricole, Société Générale, BNP. Et on leur dit, voilà, monsieur X est en train d'acquérir un bien immobilier en Thaïlande. Voici le compromis de vente. Alors, tout ça, dès que le moment qu'on peut prouver où, à quoi servent les fonds, en fait, c'est bon. Alors, donc, tu imagines la même procédure de l'autre côté. Donc, c'est la une simple lutte contre le blanchiment, en fait. Tu as tout simplement. Compris. Ils veulent savoir pourquoi vous transférez 500 000 euros en Thaïlande. C'est pourquoi faire. D'accord. Donc, nous, vu que voilà, si c'est transparent, on dit c'est pour faire une acquisition immobilière, c'est pour faire un investissement, on justifie. Et donc, on a la même question dans l'autre sens. Donc, la banque thaï va te dire, monsieur, c'est 5 millions d'où ils viennent. Ouais. Donc, voilà, Cédric, tes 5 millions de bahts, tu peux les sortir sans problème à partir du moment où tu es à jour de tes taxes en Thaïlande et que tu as pu le prouver. Donc, la réponse à la question, c'est que oui, vous pouvez gagner de l'argent ici en Thaïlande, monter des business, vous enrichir s'il le faut, etc., etc., et sortir l'argent de Thaïlande de façon, on va dire, clean, propre, il n'y a pas de souci. Après, Fabrice, j'ai entendu
croisé aussi d'autres personnes qui passaient par, c'est un peu gris comme méthode, je pense, mais acheter des cryptos, etc., etc., tu vois. Il y a d'autres moyens un peu... Ben alors, pareil. Hein. Alors, jusqu'à présent, il faut que je me mette à jour. Je crois que la Thaïlande ne taxait pas les profits sur les cryptos. D'accord, ok. Donc, mais ça risque de changer, je pense. Ça peut changer, mais aux dernières nouvelles, ils ont une plateforme qui est BitCup. BitCup, ouais, c'est ça. Hein? BitCup, c'est l'équivalent de Binance, en fait. Hein, voilà. Binance. Ici, en Thaïlande, voilà, ils ont BitCup. Donc, la Thaïlande, on peut dire que c'est crypto-friendly. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont, ils sont pas du tout contre la crypto. Et voilà, comme on le dit, il y a plusieurs plateformes. Il n'y a pas que BitCup. Ouais. Il y a deux, trois autres plateformes connues. Donc, il est possible d'acheter de la crypto en Thaïlande. Ouais. Alors, par contre... On ne va pas rentrer dans la crypto. Ce n'est pas du tout notre domaine. on ne donne pas des conseils en investissement ou quoi que ce soit. Donc, on reste sur l'immobilier. Voilà, tranquillement. On reste sur ce qu'on connaît. Voilà. Voilà, ça c'est Cédric. Merci Cédric pour la question, Cédric. Et puis, on a une troisième question d'Hervé. Salut Sabri. Tout d'abord, merci à Fabrice qui est de très bons conseils. Je le trouve vraiment professionnel. Fabrice. Merci Hervé. C'est gentil. De plus, serait-il possible de parler de succession en ce qui concerne un condominium ou un achat de villa par le biais d'une société? Car j'ai 50 ans passé, j'ai deux garçons et j'aimerais bien leur laisser un bien en Thaïlande. Alors là, on va parler d'héritage, de succession quand on possède un bien. Alors moi, la question que je serais tenté de me poser, là, il a deux garçons. Est-ce que ça a une importance que ses enfants soient taille ou pas? Non. Pas du tout? Non, non. Pas à partir du moment que ce sont... Donc, c'est ses enfants. Hein. Hervé nous dit que ce sont ses enfants. Ben, il se pose une vraie question. Hervé, il a raison. Il se dit, voilà, moi, j'ai investi en Thaïlande. Bon, c'était jeune encore, Hervé. T'as pas de souci à te faire. T'as que 50 ans. Mais bon, on sait jamais ce qui peut arriver. Il pense à ses enfants. C'est une bonne question. Ben, écoute, ce que je te conseille de faire, si tu ne l'as pas déjà fait, tu te rapproches de ton... J'imagine que tu as eu un avocat qui t'a aidé à acquérir ces appartements. Tu vas le voir et tu lui dis que je veux faire un testament. Et donc, dans ta liste des héritiers, dans ton testament, tu diras, tu vas mettre tes deux enfants, comme, et même plus, mais dont, enfin, pas plus d'enfants, mais d'autres personnes, si tu veux. Mais tu peux mettre tes deux enfants comme héritiers dans le testament. Et ben, le jour où il t'arrivera quelque chose, malheureusement, et ben, tes enfants iront voir l'avocat et avec ce testament, récupéreront la propriété dans D'accord. laquelle tu as mis. Et alors, la propriété, ça peut être aussi les comptes bancaires, ça peut être aussi la moto, la voiture. Ah bon ? Et oui, tout ce qui est documentable, c'est-à-dire que tu vois, la propriété, un appartement, il y a le titre de propriété. Ouais. Peut-être que Hervé, il a une voiture, donc il a une voiture à son nom. Donc, il le met dans le testament. Il met tout. Oui. Il dit tout ce qui m'appartient, ça revient à mes enfants. Ok, entendu. C'est très bien. Est-ce que ça coûte beaucoup d'argent à faire ce genre Alors, de démarche? Alors, écoute, on va peut-être surprendre, mais contrairement à la France, il n'y a pas de droit de succession. Les seuls droits, la seule fois où tu peux payer des droits de succession, si c'est tes avoirs, le total montant de tes avoirs dépasse 100 millions de bahts, ce qui fait à peu près 2,5 millions d'euros. D'accord. Donc, ça commence à faire des en fait, sous en dessous de 2 millions et demi d'euros, il n'y a rien. Les seuls frais que tu auras, c'est les frais juridiques. Okay. Tu vois, c'est quand payes même, l'avocat, c'est normal. Tu payes l'avocat, on passe au tribunal, c'est quand même une procédure, tu vois. Okay. Y en a pour. En délai, tu comptes aller entre 3 et 6 mois pour que les héritiers récupèrent tout. En frais d'avocat, bon, ça dépend des avocats, mais tu comptes, je sais pas, 200 000 bahts, 200 000 si on doit parler en euros. Attends, mais Fabrice, en France, c'est quoi? C'est 20, 30%? C'est là, et tu as tout à fait raison. Moi, j'ai des clients un peu avisés qui m'ont dit, mais attends Fabrice, moi quand je suis propriétaire en France de mes biens immobiliers, il y a des droits de succession en France, même sur mes enfants. Vous imaginez, ça, même quand on nous dit ici qu'en Thaïlande on n'est jamais propriétaire, j'aimerais me dire, est-ce qu'en France on est propriétaire quand un père de famille qui a travaillé toute sa vie, qui a économisé pour acheter un appartement, ben, le jour où il décède, ses enfants, on l'a tous entendu, il y a des enfants qui ont dû revendre l'appartement parce qu'ils n'ont même pas pu le garder à cause des droits de succession. D'accord. Donc tu vois, c'est quelquefois le pays... Alors, quel est le pourcentage déjà exactement. Alors moi je suis pas un pro, mais je pense qu'il y a des droits de succession sur les enfants, ça peut être 20, 30%. D'accord, je pensais un peu plus de 30 ans. Ou peut-être plus. Ouais. Donc ça, je laisse les gens bien se renseigner. Mettez-nous en commentaire pour ceux qui ont vraiment. Parce que parfois, s'il y a des gens que... J'ai entendu, alors je ne suis pas sûr, 40, mais peut-être. Ça peut dépasser les 50. Ah, alors les enfants, à vérifier. Sur les enfants et les héritiers directs, je ne suis pas sûr. Mais écoute, c'est une bonne question. Pour ceux qui ont été concernés ou qui se sont renseignés, renseignez-vous bien. Bien entendu qu'en France, on est propriétaire. Mais quand ça arrive aux enfants, eh ben, les enfants doivent payer. Et s'ils n'ont pas les sous, eh ben, ils sont obligés de revendre la maison des parents. Donc pour certains, quand même, des fois c'est des maisons familiales où il y a un peu d'histoire et c'est dommage de pas pouvoir garder la maison. Écoute, en Thaïlande, tu n'as pas ça. Comme quoi, t'es plus propriétaire ici en fait, c'est ça. Donc tu vois un peu quand on gratte un peu. Merci Hervé pour cette question. Bonne question. Et Hervé, ben, je peux t'assurer que si tu fais le testament comme on te dit, eh ben, tes enfants récupéreront encore une fois tes appartements, ta voiture, ton scooter, tout ce que tu auras mis dans le testament et il n'y aura pas de droit de succession. Donc voilà, ça peut donner des idées à certains. C'est quand même dingue le nombre
normes ou de préjugés où on a l'impression que monter un business, acquérir un bien en Thaïlande, ben c'est pas safe du tout. Et finalement, et tu te rends compte que ça peut être judicieux, tu vois. Ouais. Un peu des, pour des parents qui ont un peu d'argent en France et qui pensent à leurs enfants, est-ce que c'est peut-être pas judicieux d'acheter quelque chose en Thaïlande et éviter les droits de succession? Ouais. J'espère qu'à travers cette vidéo, on a donné des idées à quelques-uns et répondu à cette question. Alors, vraiment sympa hein, que vous posiez des questions et que, voilà, on essaie d'y répondre comme ça avec Fabrice. On va essayer de faire ça un peu plus souvent. Donc, n'hésitez pas. Laissez vos questions dans les commentaires. Comme ça, nous, on fait une petite capture d'écran et on essaie d'y répondre. Et si vous voulez rentrer en contact avec Fabrice, n'hésitez pas. Je vous mets un lien dans la description. Il y a un petit formulaire à remplir et vous serez recontacté très, très rapidement. Ah oui, j'ai une question importante. Fabrice. Oui, Sabri. Alors, j'ai fait dernièrement des vidéos. Oui. OK, avec Mathieu. Oui. Et les biens, en fait, voilà, c'était des biens un peu à 400 000 euros. Oui. 330 000 euros à Bangkok. Et il y a eu des commentaires. Oui, c'est super cher, etc. Alors oui, c'est super cher. C'est une mégalopole. C'est Bangkok. C'est en plein centre de Bangkok. Pour ceux qui connaissent Phnom Penh, quartier très riche. Tu es au cœur du cœur, si on peut dire ça. Là, au cœur du cœur. C'est-à-dire, oui, je vois où tu vas. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui réaliser que là, ce que tu me dis, Bangkok, plein cœur du cœur, c'est comme être à des grandes villes comme Paris, comme Londres. Aujourd'hui, il n'y a pas de honte. Pour ceux qui connaissent Bangkok, on peut comparer Bangkok à une capitale européenne. Ouais. Toi qui connais Bangkok, tu as vu comme c'est développé. Donc le prix au mètre carré augmente. Il n'y a pas que les Français qui regardent l'immobilier à Bangkok et en Thaïlande. Il y a le monde entier qui s'intéresse. Et bien entendu, comme toutes les grandes capitales, le prix au mètre carré augmente. Petite parenthèse aussi, Mathieu l'avait dit dans ses vidéos, dans les prix qu'on mentionne, on parle d'immeubles avec des salles de sport, des piscines, des parkings. Ouais. Quand on compare avec des grandes capitales européennes, tu as vu beaucoup d'immeubles, toi, avec des piscines, des salles de sport, un gardien 24 heures sur 24 qui te salue, la sécurité, le bureau de syndic en bas, des charges de copro à 2 euros du mètre carré. Donc, il faut remettre tout ça dans le contexte. Voilà, il y en a pour tous les prix. Il y a des condos à 100 000 euros, il y a des condos à 400 000 euros, il y en a à 1 million d'euros, il y en a à 10 millions d'euros. Oui, des condos à Bangkok, c'est possible. Donc voilà, après, je pense que c'est à chacun de fixer son budget et de trouver ce qu'il recherche. Voilà, comprenez bien que c'est vraiment au centre du centre. Phnom Penh, faites vos recherches un petit peu sur Phnom Penh. Ça va vous permettre de savoir la localisation. Il y a aussi la proximité avec les transports en commun. Tu vois, il y a une station de BTS, métro, donc BTS, qui s'appelle Phnom Penh, le nom du quartier, tu vois. C'est BTS Phnom Penh, Soi Phnom Penh. Tu es proche des métros, proche des centres commerciaux. Tu es au plein centre de ville, au cœur de la ville. On fera quand même quelques vidéos avec des condominiums un peu plus chers. Mais par contre, ce sera un petit peu en périphérie, peut-être vers Ounoud, etc. Oui, oui, voilà. C'est une périphérie proche. C'est des quartiers qui se développent. Là, on parlait d'un quartier qui a déjà explosé. Et maintenant, tu vois, comme toutes les grandes villes, quand l'hypercentre a explosé, tu vas chercher la banlieue proche pour anticiper un peu les évaluations futures. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.